votre dernier espoir. Vous allez donc devoir attaquer plusieurs villages et les vider de ses occupants. Tous ces villages doivent être rasés avant la fin de la soirée. S'il reste un village, ce sera un échec pour cette guerre du Vietnam. Donc, vous avez ces deux véhicules comme moyen de transport. Ne vous en faites pas, si vous roulez assez vite, vous pourrez traverser toutes les rivières. Normalement, les arbres ne devraient pas opposer de résistance. Ils sont vieux et fatigués, vous pourrez rentrer dedans facilement. Et si vous avez besoin d'un appui aérien, je pourrais fournir des frappes de mortier et un... Du napalm. Ouais, et du napalm. User joined your channel. Je traduirai après. Hein. Ok, pas de soucis. Vous allez donc devoir vider les villages. Alors, il y a trois villages assez éloignés les uns des autres. Donc si vous avez des gros problèmes au niveau du transport, vous le signalez par radio. J'espère qu'on User left your channel. Pas coupé. Je vous souhaite bonne chance, okay. Messieurs. Et puis... J'ai pas enregistré ton bonne chance, tu peux nous ressortir? Ok, je vous souhaite bonne chance, messieurs. Ah merci, c'était tellement enthousiastique. Baby. Oui. Comment On bouge pour le char lance-flamme. Attention. Attention, attention, oh, oh, non mais ça passe pas à travers. Oh mais putain mais... On vous suit. Normalement on peut traverser l'eau aussi en France. Est-ce que ça fonctionne passer à travers l'eau, je sais pas. Hein. On peut tester. Attends. Allez-y, rentre. Ici Charles Lanceflamme, on a survécu. Bon, on va se remettre en route, Charles Lanceflamme. Vous restez bien derrière et vous nous suivez coûte que coûte. Breacher, c'est reparti. Bien pris. User left your channel. User joined your channel. Bon, normalement on pète les armes mais j'ai pas testé. Ah si, je vois des arbres couchés donc normalement c'est bon. Oui, les arbres et tout. Je vais pas m'amuser à m'en prendre hein. Ok, Mickaël, quand on aurait vu après, vous se mettrait un peu au lance-flamme, on fera passer les troupes d'infanterie et on prendra le village d'A. Bien prêt. On va ouvrir la voie pour l'infanterie dès qu'on arrive au premier village. Donc là, tu te fais plaisir dès qu'on arrivera. Je te dirai, putain, genre comme par hasard, le seul arbre couché, on n'arrive pas à le passer. Ah non, mais la bonne blague. Putain. C'est démesuré. La forêt m'a brûlé. C'est ça quoi. Oh mais putain, c'est un buisson. Ça tire à gauche. Ouais. Bah au moins je sais où ils sont. Ouais. Allez, monte. Putain, t'as un char, bordel. Premier char pour deuxième char, vous êtes passé où? C'est quoi votre statut? Notre statut, c'est on sort de la forêt en évitant les arbres. Ils sont là. Affirmatif, suivez le char très lentement. On y va. Ah, putain de buisson. Ok. Doucement. Il y a un mec à droite, donc il explose pas.
attention, Charlie Ansfem, on a des soucis avec la forêt. Hein. Oh putain, y'a un arbre. Ah n'empêche, pour tendre une embuscade, c'est parfait là. Là, je vais te dire. Ok, Mickaël, tu vas arriver à côté de nous et tu vas faire brûler le village, mais tiens-toi prêt. Merci. On va avoir ordre de faire brûler le village, je te dis, quand. Wow. Ok, je pense que ça va être pour User left your channel. Je pense que tu peux arroser en face vu que ça nous tire dessus. Ça va être difficile de voir quelque chose. C'est clair, je vois qu'il y en a. Ok, je vais essayer de te dégager jusqu'à un angle. Là, sur la route, on devrait voir quelque chose. Ah, il y a le village, on arrive. Ok, char d'assaut pour Charlie Ansfem, vous prenez Roé, avancez-vous à notre niveau et commencez le tir sur le village. Ok, char d'assaut, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu, on fait avancer trop tard. Ils envoient leur channel. Oh putain, le carnage. Ça, c'est du lance-flamme. Putain, mais c'est excessif! Oh la vache! Charles Ansfem, est-ce que je descends pour appuyer l'infanterie en laissant le gunner ou je reste dans le char? Négatif, tu restes dans le char. Sans passer les escouades. Merci. Il arrive dans le village, hein, en mouvement, donc on va l'arroser, mais faites gaffe. Vas-y, bah dès que tu l'as en visu, tu lui tires dessus. Hein. Là, il nous vise, il va nous viser. Je vois pas, il y a des buissons. Ouais, ils arrivent avec de l'infanterie. Vas-y, là, on l'a en plein visu, en face de nous. Il est pile en face. Pile en face derrière l'arbre. Il y a de l'inf, il y a de l'inf en plus devant, arrose-tu. Non, t'as la mitraille. T'as la mitraille. Change d'arme, vite. Ah, c'est une énorme flamme à tout feu. Gardez des munitions pour les autres villages, hein, en soi, mais très limité. D'accord, on a un nombre... Merci, on a un nombre limité de munitions, donc... passe en mode batteuse. Autorisation de faire feu sur l'infanterie avec la batteuse par contre. Avec la batteuse affirmative, mais pas avec le lance-flamme. Merci. Ok, donc passe en mode batteuse et si on trouve... Il y en a là, dans les buissons. Je vais avancer un peu et puis... si t'en trouves, t'arroses. Air Force One en support aérien. Oh putain, mais c'est quoi? Non, mais il y a Air Force One qui nous. T'as entendu? Ouais, t'entends la radio. Ok, Air Force One, est-ce que vous parlez en longue portée ou en courte portée? En longue portée. Ah bah écoute, j'ai plus de visu. On a plus de visu pour le moment au niveau de l'infanterie, Char Leader. Affirmatif de Char Leader, c'est bien pris. Restez en stand-by, on a Air Force One qui est au-dessus de nous.
aperçu. On a un sentier en face qui peut avoir trop lance-flamme peut-être. Est-ce que ça va faire brouiller? Je sais. Enfin non, 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 négatif, tire pas le camp. Ok. User left your channel. Il a pas l'air d'être bien. Tu peux sortir et prendre ton tube ou pas, Bruit, tu vois? User joined your channel. On va faire des fakes. User left your channel. User joined your channel. On est un peu les fous de Pom 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 pom. Salut Kylian, tu savais que dans l'hélicoptère on pouvait mettre la chevauchée de bactéries? Là. Non, ça lie, ça lie. Ah ouais, mais attends, on se fait engager, c'est pas vraiment le moment à Force One. On a des grenades qui volent en direction du nord, est-ce que Air Force One peut voir pour ça? Ah d'accord, c'est vous en fait qui va lancer. Bon bah j'ai rien. On a les Polak hein, en sud-ouest, hein, qui sont près du... Derrière vous, ça nous tire dessus, de votre ancienne position. Affirmatif, attention avec les grenades. Jusqu'à nous, attention avec les grenades, attention. Allez, on va faire le ménage dans les champs, ouvre l'œil. On va passer au ping fin. Comme on peut, hein, parce que... Ça c'est difficile de voir quelque chose. Ouais. On va aller voir si dans le village il reste pas des mecs. User left your channel. Vu que les squads s'est fait shooter à la grenade. User joined your channel. Ça m'étonne un petit User peu. Joined your channel. On va inspecter là les bâtiments. Il s'éclate à la musique hein. Pas de contact. Non, non, ça m'a l'air clair. Bah, négatif, cher leader, hein. Plus de contact derrière nous, hein. On a fait le tour. Ok, cher leader pour Flamethrower, c'est bien pris. Descendez de vos chars. Mmh.
Charlie, ça, on peut se remettre en route, c'est parti. Charlie Leader pour US Air Force 1, vous. US Air Force à l'écoute. Ah putain de char qui bug. C'est quoi votre statut, où est-ce que vous en êtes? On va finir notre tour de reconnaissance, il y a deux camions citernes sur zone avec un blindé léger avec une tourelle minigun et peut-être avec des balles explosives, sûrement. Ok, affirmatif. Est-ce que vous pouvez essayer d'engager le blindé au minigun? Il a pris tank leader. Évitez d'en faire trop, hein. Juste un petit passage et vous nous attendez. Il a pris tank leader, on traite seulement le véhicule blindé. Je crois qu'on les a perdus. J'entends l'hélico, donc c'est un bon signe. Ouais, bah de toute façon c'est plein sud-est, donc c'est par là. Hein. Oh mais ah non mais ça c'est la blague, c'est un vieux buissard de merde. T'as un putain de char et le truc non. Ok, Char Leader pour Charlie Femme, on est à 1,2 km de l'objectif. C'est bien pris, mais on vous a perdu. Ok, Char Leader, on fait une attaque. On se dirige en plein sud-est, donc normalement c'est bon. Essayez de vous repérer sur une smoke violette. Smoke violette rose. Smoke violette rose. On sur voit votre de position. Loin, c'est bon, on arrive. Ok, reprenez position derrière nous et on fait mouvement. Putain! Il a cassé le moteur! Mais non, c'est pas le moteur. Non, c'est les... Ouais, c'est les chenilles. Leader pour US Force One, vous confirmez que vous avez avec vous le copilote amnésia? Non, le copilote... Oh, amnésia, oui. Ok, Leader, c'est... Bon, on est dans la fumée, mais il y a tellement toutes les couleurs qu'on vous voit plus, leader. Ok, on continue d'avancer au sud-est, milieu sud-est, c'est parti. Oh putain, chaque tac. Il voit comme à travers une queue de pelle. Ah ouais, non, mais je vais me prendre un buisson. Hein. Tu sais, le mec il roule sur les arbres, mais les buissons c'est sa bête noire. Bon, nos chenilles sont oranges parce qu'on a roulé sur une branche. Ah, affirmatif, attention aux branches, alors je rentre. Ça sent la merde. À gauche, village. Village à gauche. Village en visu à gauche. On va l'arroser au lance-flamme. Négatif, négatif, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On est encore un kilomètre du village. Ah, c'est pas celui-là. Ah, d'accord. Oh putain, attention, accrochez-vous. Les rizières nous bloquent. Genre, en fait, les rizières nous bloquent. Les Vietnamiens ont anticipé au coup de notre charge. Oh les salauds. Rien de bien grave pour le moment. Ok, on est en plein champ de mine, je pense qu'on va continuer, on va tout le temps continuer. Je le sens pas, Char Leader. Char Leader pour Char en Swam, est-ce que vous avez un autre itinéraire? Accrochez-vous sur le toit. Oh putain, ils vont sauter sur le toit. Nice care. Play some mics. Je m'en mets couvert. Ferme bien la trappe, hein, que ça ricoche pas dedans, parce que je veux pas me prendre un bout de bras ou... Oh putain, on est en montée en plus. C'est vrai, c'est arme à 3. Ah, le moteur est mis à l'épreuve là. Ouais, c'est bon, heureusement que c'est pas un Romeu qui nous aurait lâché entre les pattes. Ah non, mais si on avait pris un Oural, on serait déjà en bas, hein. Là on serait retombé. Hein. Ah, de la merde, ça arme pour ça, putain. Allez, ah, mais tu peux... Ça tire, ça tire. Watch out, guys, watch out. Je sais pas s'ils nous entendent d'ailleurs. Ouvre la trappe et dis-leur parce que. Ils entendent pas. Watch out, guys, watch out. Je crois qu'ils nous entendent pas, c'est horrible. Nice. Tu m'entends pas, c'est cool. Ah, c'est bon, ils vont débarquer.
Il a pris cher le truc. Oh la vache. Je suis obligé de sortir parce qu'apparemment on nous entend pas. Oui, alors oui. Le char vient de sauter sur une mine, donc on va changer. Ah, il est complètement on va cassé. Rester à pied du coup. D'accord. Oui, il est cassé, irréparable. Donc on va sortir. Il nous reste environ 600 mètres à faire, donc ça doit être bon. On continue avec le. Tu continues avec le lance-flamme, dans d'accord. Tous les cas, tu restes en arrière, tu suis les squads. Bien, peu. Ça marche. On y va. Ok. Attends. Pour tous, non. J'ai entendu oui, Miguel, qu'est-ce qui se passe? Oui. Moi, médecin, je peux pas. Ah. Without needs blood. Et if you are wounded, you go on the Michael tank. If you can walk, you can move. Carrément, c'est un tank de soins okay. Aussi. But what I need, Michael. Ok, just a moment. Tell your member, first group, we go working on the village. And second group who got wounded. Ok, go c'est bon. Est-ce que tu vois flou? Michael, ok. We go to okay. The village, so just follow ah, me. T'as encore baissé la jambe, bouge pas. Ah, mais j'ai dit axe. Join the group. Join the group. Join the group. I cannot fucking run, so how can I fucking run? C'est bon, go with Michael, ok. Allez, tous les autres, on me suit, s'il vous plaît. Attends, je soigne Brisher. Brisher est mal en point. Brisher, parle-moi. Je vois la lumière. Non, regarde pas la lumière, éteins la lumière. Ok, éteins la lumière. Il a ses deux jambes qui sont complètement brisées. Non, trop gens, Koipi, Greg. J'ai mis des garrots et tout. Attention! Ah, c'est moi qui bouge pas, surtout pas. Qu'est-ce qui se passe? On nous tire dessus. On se fait attaquer. Everyone, suppressive fire en position. Oh la vache. Il est là. Where? I'm bouge wounded. Bouge pas, Richard, t'es toujours... I'm fucking wounded. Ok, c'est bon, hein? Il te reste plus que la jambe gauche. Oh, je hais les explosifs. Je hais les grenades, bordel! Attends, Attends, il y en a un qui a une hémorragie sévère. Miguel, tu vas commencer à t'occuper des autres, je vais appeler Air Force One, moi, d'accord? Tu pisses le sang, mec! Bah les couilles! Je vais appeler Air Force One avec mon char. Tank 4 est vivant. Hey, je suis là, y'a quoi? Char lance-flamme pour Air Force One, est-ce que vous recevez? Air Force One, non, vous écoutez. Hey, mais là, c'est le bordel. Le char leader a explosé, pas mal de gens à terre, on s'est fait prendre en embuscade dans la forêt, donc le char leader est couché, il fonctionne plus, y'a que le nôtre qui marche, il y en a plein de blessés. Est-ce que vous pouvez éventuellement passer en recours pour aider ou pas? Affirmatif, mettez une fumigène sur votre position, c'est parce que cette végétation on voit que dalle. C'est bien fait. Ok, ceux qui peuvent balancent une fumée pour signaler la position de reco. En face, là, là-bas. Merci. Putain, me dis pas que t'as de nouveau les jambes blessées. Oh bah d'accord, je te le dis pas. Ouais, je sais, mais t'as déjà un garrot, toi, donc j'ai pu arrêter tes hémorragies. Oui, bah venez ici. Ok, je suis totalement sourd. Plus rien. Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas de bouchon d'oreille, ça. J'en avais pas dans mon paquet, en fait. Ah. Dis-lui d'en prendre dans mon sac. Dis à Brisher, prends-en dans le sac à Brisher. T'as pas de bandage sur toi, Brisher? Si, je crois. Bah alors soigne-toi le torse, parce que t'as plus d'hémorragie après, normalement. Il faut quoi pour le torse? Des bandages. Mais quoi? Oui, prends du... Do you need help? Yes, Troyan need help. Oh my god. Rohan, stay with me. Don't die. I need to... CPR, can you use RPC, RPC. Yeah, I'm doing it. Do you have...
putain. Proszę te klatkę piasiową poskładam. Na velocity to musisz mieć jałowe, czyli te basic bandages. I potem packing bandages. Widzę już. No jeszcze Michael skonał. Ale... Zeus to has quarters do you copy? Transfusion. Ok, ok. Air Force One, c'est reçu. It's ok. Oui. Dobra, to za chwilę będzie... Oui. Quoi, je passe sur la bonne radio. Ok, can you give me some blood? Air Force One, là. One block of blood in my... J'essaie de mettre un additionnel, mais on s'en tape, vous allez me suivre. Just on va partir minute sur le village. Breacher, tu cherches les images du village, j'arrive. Trémo? You stay with the wounded guy. Okay. So okay. Join us on the second village after, okay? Understood. Okay. Okay. Oui. I give you blood. Reste avec le char, toi t'es en. Comment tu peux les plug vite? Ouais, il faut que tu fasses avec le H dans ton équipement. Je peux pas t'expliquer, il faut prendre l'ail. Allez, on y va. I have give you blood. C'est parti. Au village, tout le monde. Au village, c'est parti. Give me blood. Apply to me blood and then to Trojan. Okay. We can put you on velocity then the field dressing copy. Na pewno mogę. The packing. Do you have in your bag? Yes. Just take the from the back. Okay. Plastik. Kurwa, wszystko mu trzeba wdać. Jebane. Mogę, dobra, już ma Velocity 2, to jest packing w takim razie. To jest podstawówka. Jan, słyszysz mnie? Weź mi na Steamie napisz. Jeszcze nie mam kurwa tych. Daj mu packing jak chcesz. Będę znowu do Rivetta. Rivet, ty żyjesz? Gdzie ty jesteś? Dobra, noga jest cała. Dobra, zdejmij mu turnikat z tego. Z prawej nogi, bo za. Okej. I dajcie adrenalin do sobie. Masz adrenalin? Okej. Come on. We need adrenalin to revert on to Trojan. Yes, I tried, but he didn't wake up. I've got only morphine. We need adrenaline to heal them. Yeah, adrenaline. Polish to headquarters, do you copy? Fuck. Dalej potrzebuję. Do you have more blood? No, I don't find in your bag. Wait. How is it don't find? Ja mam krecz. Daj Michaelowi do PCR-ka. Michael? Yeah. I'll give you blood. Where? To your back. Okay. Apply it to Weaver and apply it to Trojan at first. Wait, I can't. Can you take it from my back? Because I can't open it. Yeah, I have. Thanks. Okay. Normalement c'est T. So I give one to Trojan and Rivet. Yeah, one to Rivet, one to Trojan. Okay. Bah, ça marche pas, c'est pas grave, tant pis. Okay. Bo nie mogę go tam. It's okay. I give one to Trojan and... I cannot release him, do you know why? Whoa! Whoa. Kurwa. Okay. Did I hit him? And... No. And one to Rivet. Yeah. Do you have adrenaline? No, I've got only morphine. Fuck, I need to respond, so be clever.
Ok, squad leader pour tank, vous êtes où? Parce qu'on a remis une fumée verte sur la position. Ah. D'accord, vous pouvez venir devant l'entrée principale du village, enfin l'entrée qui est tout à droite. Bien pris, on voit votre fumée. Oh putain, ils avaient un blindé ici, waouh, chaud. Ok, c'est bon, ils sont là. Hop, bah configure tes touches, je reviens. Ah mais en fait, je sais pas. Oui, non. Il est où? Entrance. Green smoke. Bon bah Mickaël, tu reprends ton véhicule, vous mettez tous dans le véhicule, on va essayer d'embarquer au maximum. Je pense pas qu'il y a assez de place, mais c'est pas grave. Non. Oh, y'en a 5. Ah oui, j'ai la place comme ça. Oh putain! Eagle, vous nous recevez? Ok, pour info, on est environ à 600 mètres du troisième village. Le problème, c'est que vu qu'on est en pente, je vois rien en première personne. Ah, ça y est, on arrive. Y'a pas de soucis, les gars. Y'a un cours d'eau. Ah, ouais, mais ça on peut le traverser. Oh, mais. Le bananier est en face. Ouais, mais le bananier sans le passe, ça c'est bon. Ok, alors. On est encore à. On est à 900 mètres. On est à 900 mètres de l'objectif, leader. Ok, on est à 600 mètres. Approchez-vous du village et on vous mettra une smoke sur nous, je pense, pour commencer les assauts. Essayez d'obtenir un visuel sur le village. Essayez d'obtenir un visuel sur le village tant que on se ferme avec un petit squad qui est avec vous et j'lancerai une smoke pour définir notre statut en fait. D'accord. Enfin, quelqu'un qui me donne des coordonnées. Ah ça y est, je vois le village. 90 mètres. Fumier rouge. Ah, fumier rouge sur la droite. Ok, parfait. Descendez. Vous attaquez à pied, on va voir le feu. Allez, on débarque là, hop. Allez, cassez-vous du char là, je vous arrose le cul. Passe en mode batteuse. Oh putain, mais j'en ai ras le cul de ce truc de merde. Passez pas près du char, vous allez vous faire écraser. Ok, Mickaël, on est en CSO dans le village, on est dans le village. Je répète, on est dans le village, ne pas tirer dans le village. C'est pareil pour Eagle. Ok, bien pris. C'est bien pris. Y'a des alliés dans le village, tu fais attention. Ils sont capables d'aller dans le village. C'est pas faux. Ah, mais en fait, je me suis fait douiller. On arrive par le nord-est. J'aurais pas dû aller à la toile, mais c'est nul la toile. Ouais, t'as raison, t'aurais dû conduire. Ok, je répète, nous sommes déjà dans le village. Nous sommes dans le village. Attention, ne tirez pas sur les alliés dans le village. Oui, bah on a entendu qu'il fallait pas tirer sur les alliés dans le village. C'est vous qui venez de tirer à la T? On n'a pas d'AT. C'est moi. Ok, Bridger, tu pourrais plus près. Bon, tu restes à la tourelle, moi je descends. Eh, vas-y! T'es sérieux là? Bah ouais! Bah descends au pire! Ouais, vas-y, descends, allez. Si je te follow! Non bah ça c'est l'avion qui a massacré les civils. Bah tant pis, tout ça nous a qu'à pas être l'avion. Oh bah oui, en même temps c'est un peu un village hein. Ah et alors? Faut pas donner le village. Ah c'est un peu chez eux.
On parlera plus tard de on parlera plus tard de moralité, hein. Et voilà, on est américain, on n'a pas de moralité. Et allez, va falloir s'excuser à la communauté américaine maintenant. Ah, ça c'est Polish Guy. C'est pas ça. Putain, mais ils sont où? Ah, Bricheur. Nickel, nickel. Mais où est Kylian? Là, Kylian. Et il cherchait, il est à côté de ton char, il cherchait. Ah! Il va vendre de l'argot. Il est là, parfait. Il est là. Nickel. On est là. On va se barrer, donc tu recules ton char et ouais, on va s'en aller d'ici. Ah, par contre, tu vas faire brûler tout le village. Ah. Allez, tout le monde en recule. Allez, Sanka. Recule attends que je ramène Trémo. Trémo. Trémo, voilà. Normalement, feu d'artifice garanti. Tout le monde, poussez-vous, s'il vous plaît. Ok, normalement t'as un bon angle. Tu commences par la gauche et tu balayes à droite. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de balles. Ouais, bah tu balayes comme tu peux, essaye d'être vite. Ok, Eagle, c'est bon, vous avez feu vert. Et Mickaël aussi. Bien pris, pas volonté. Bien pris. Ah, trop près. Fais gaffe, ça fait ce... T'en as plus? Non, j'en ai plus, je t'avais dit. C'est tout? Ah oui, bon bah, il en a plus de mute. Ok, c'est bien pris. Sortez du char. Ok, on sort. Sortez du char, on va. Est-ce pas le seul pour Eagle, Gougoulo? Qu'est-ce qu'on fait pour l'évacuation maintenant? Vous voyez quelqu'un? Terminé. Sur zone. Tiens. C'est une bouffée sur. Tirer, hein.